Coucou tout le monde, je retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour un petit tuto coiffure et une pose de perruque. Donc j'ai posé cette perruque là et j'ai fait cette coiffure là, donc ça change un peu. Les cheveux viennent de chez Ali Grace Hair, donc voilà, je suis en collaboration avec eux. La perruque m'a été envoyée gratuitement, donc moi j'ai pris une perruque bouclée pour changer parce que je mets soit du lisse, soit je fais de la couleur. Du coup au niveau des boucles, c'est des Water Wave, donc vous voyez que les boucles elles sont vraiment très 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 légères. Et j'ai pris du 22 pouces. Voilà la longueur, vous pouvez voir que c'est quand même relativement long pour du 22 pouces, sachant que là c'est bouclé, mais... Je kiffe. Donc voilà pour ce qui s'agit de la perruque. La densité, je sais plus, j'ai pris combien de densité ou s'il n'y avait pas de densité, genre c'est une densité universelle. Dans tous les cas, toutes les informations concernant la perruque sera notée dans la barre d'infos. Alors la perruque, j'ai été tellement surprise quand je l'ai customisée. Ça allait hyper vite, c'est-à-dire que les nœuds ils se retiraient facilement, les nœuds ils se sont décolorés aussi facilement. C'était vraiment vraiment très très simple et rapide. Déjà c'est un point que j'ai grave validé. Ensuite j'ai beaucoup aimé les cheveux, enfin j'aime beaucoup la texture des cheveux, donc ça je valide aussi. Au niveau de la cape, donc j'ai un point positif et un point négatif, c'est-à-dire que au niveau de la cape, quand j'ai retiré des cheveux à la pince du coup, j'ai trouvé la cape plusieurs fois. Après ça c'est pas un souci puisque la cape je la coupe etc, j'ai pas trouvé là où il y avait la tulle où je pose. Voilà, c'est pour vous dire qu'il faut faire vraiment attention quand vous customisez votre perruque parce que celle-ci je la trouve du coup quand même fragile. Ensuite au niveau de la taille de la cape, une taille parfaite. Je sais pas si c'est une taille universelle ou si j'ai pris une taille médium, je sais pas du tout. Dans tous les cas je me répète encore, les informations seront écrites dans la barre d'infos. Mais en tout cas au niveau de la taille de la cape, c'est ni trop grand ni trop petit, donc c'est parfait, vraiment 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 parfait. Par contre petit problème que je remarque au niveau des cheveux, c'est que les cheveux, j'en perds un tas. Beaucoup de cheveux qui tombent. Non, au niveau de la livraison, je crois pas avoir eu de frais de douane. En tout cas pour le moment j'en ai pas reçu. Ça fait à peu près une semaine que j'ai reçu la perruque, donc j'ai pas reçu de frais. Et j'ai été livrée assez rapidement, en une semaine et demie je dirais. Donc voilà. Ça je valide aussi, donc je suis contente. Voilà, c'est tout pour ce qu'il s'agit de la perruque et de la livraison. Maintenant petit unboxing. Donc vous savez, quand vous recevez des perruques vous avez des petits cadeaux. Donc j'ai reçu du coup un petit bandeau comme ça. Ensuite j'ai reçu un petit truc comme ça, vous savez les petits rasoirs. Et ça c'est bien pour découper la tulle. Comme d'habitude on a une petite brosse à dents avec un peigne, donc c'est avec ça que j'ai fait mes baby hair. Et on a un bonnet en satin. Le colis était assez complet. J'ai fait le tour. Toutes les informations seront dans la barre d'infos. Le lien des cheveux, code promo, le lien du site. Tout, 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 tout sera dans la barre d'infos. Maintenant, je vous laisse avec le tuto. On se retrouve après. Bisous. Cette étape là elle est optionnelle, vous n'êtes pas obligé de mettre du maquillage, mais moi je préfère pour que ça fasse beaucoup plus naturel.
Alors là, j'avais voulu faire une autre coiffure, donc c'était pour vous montrer. Et c'est hyper joli avec l'effet mouillé. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, de la coiffure, etc. C'est la première fois que je fais cette coiffure-là et je trouve que ça change et que ça fait joli. Bref, à checker la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez toutes les informations concernant la marque, concernant les cheveux et me concernant moi aussi. C'est-à-dire que vous retrouverez mes réseaux sociaux aussi dans la barre d'infos. Donc voilà, soin de vous comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Besos.